sortie du projet en fait de l'œuf, c'était il y a 20-25 ans. Donc voilà, après ça, on a travaillé, on a mûri ça, on a mis sur papier, bien sûr regarder l'aspect financier et puis pour trouver une banque qui nous suive dans le projet. Et une fois que ceci a été fait, on a arrêté de travailler là où on travaillait. On est allé travailler dans une entreprise de construction de maisons en bois, en fait, pour avoir la maîtrise des constructions. Après, j'ai commencé à chercher un partenariat avec une commune, puisqu'on est en bâillon phytéotique. Et c'est Badonvillers qui a su m'accueillir plus que bien. Au niveau du site en lui-même, donc on a une superficie de 5 hectares. On est en pleine forêt, donc on est sur la pointe nord du lac, exposée plein sud. Donc on a le lac à nos pieds, comme vous le voyez, donc le lac de pierre percée qui fait un peu plus de 300 hectares, après avec diverses variétés de poissons, avec beaucoup de pêcheurs et puis du tourisme local et international à la haute saison. Donc c'est ce qui fait un peu vivre tout ce qui gravite autour au niveau commerce. Au niveau des activités, donc en plus de cabanes avec un sauna privatif ou un bain finlandais privatif, on propose également la location des canoës ou des VTT à assistance électrique. On est quand même dans un endroit où il y a relativement du monde, donc les animaux restent très prudents. Néanmoins, en restant tranquille, on arrive à les observer. Il y a principalement des écureuils, des loirs, des martres, des renards, et puis jusqu'aux biches, chevreuils et cerfs. Sangliers, on n'en a pas encore vu sur le site pour le moment. Donc, mais c'est pas impossible, c'est quelque chose qui peut arriver. Pour le moment, on n'en a pas. Mais tout le reste, oui, ça navigue, chacun vit sa vie. La subvention a servi exactement pour la construction des hébergements, pour la communication du site et en fait à asseoir financièrement aussi la société. On a 6 cabanes et il y en a une 7e qui va être construite, la construction va démarrer plutôt au mois de septembre. On est dans une période où on manque énormément d'offres par rapport à la demande. Et c'est toujours un peu dommage de ne pas pouvoir faire profiter aux gens du site. Le projet est extensible parce que le permis d'aménager, quand je l'avais déposé à l'époque, je l'avais tout de suite déposé pour 14 hébergements. Pour le moment, on va finir l'année avec 7 hébergements. J'ai déjà prévu le 8e hébergement pour printemps l'année prochaine. Ça viendra, tout finit par arriver.